Oui, levez la main si vous m'entendez. Oui, c'est bon, je vois des mains. Parfait. Ici, ben, vous ne pouvez pas deviner en regardant où je suis, mais je suis au Kazakhstan, dans une ville qui s'appelle Baïkonour, là où il y a la rampe de lancement que l'Union soviétique puis la Russie utilisent depuis toujours pour envoyer d'abord des satellites, puis des gens dans l'espace. Le premier satellite de l'humanité, Spoutnik, est parti d'ici. Premier astronaute de l'humanité, Yuri Gagarin, est parti d'ici. Donc, c'est un endroit plein d'histoires. Oui, derrière moi, là, des photos d'équipages qui ont volé avant moi. D'ailleurs, ici, j'ai trouvé qu'il y a la photo de Chris Hadfield, le Canadien qui m'a précédé il y a quelques années à bord de la station spatiale. Donc, c'est un endroit vraiment plein d'histoires. Je suis ici parce qu'il y a un équipage qui décolle la semaine prochaine. Et puis, je suis là en support pour les aider. Et je vais revenir au mois de décembre pour décoller moi-même à bord d'une fusée Soyouz pour la station spatiale le 20 décembre le début d'une grande aventure. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps. Je sais que vous avez plein de questions. Alors, allons-y. Merci beaucoup, David. Comme tu viens de le dire, les élèves ont beaucoup de questions pour toi, donc on va commencer sans plus tarder. La manière dont on va procéder, c'est qu'on va nommer votre école, vous vous avancez au micro, vous dites votre prénom et vous posez votre question. Donc, nous allons commencer avec l'école Pauline Johnson à Vancouver. Bonjour, je suis de l'école Pauline Johnson et je Bonjour. m'appelle Anna. Mon question est, quelles suggestions pouvez-vous donner aux étudiants qui veulent avoir du succès et poursuivre des études supérieures? Aha. Le seul conseil, je pense, qui vaut la peine, c'est le suivant. Pour avoir du succès, vos études, au travail, il y a une seule manière, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Parce que pour trouver l'énergie requise pour avoir du succès, il faut faire quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est pas facile, hein? Ça paraît facile à dire, mais c'est quand même un défi d'aller chercher au fond de son cœur et de trouver qu'est-ce qui, moi, me motive vraiment. Il y a plein de gens autour qui vont te dire ce que tu devrais faire. Tu peux écouter leurs conseils, mais au bout du compte, c'est toi qui dois décider. Donc, premier défi, trouver ce qu'on aime. Après, l'énergie pour exceller vient naturellement. Merci David. On va aller maintenant avec l'école Roméo Dallaire à Winnipeg. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Lachance et je vais à l'école Roméo Dallaire. Voici ma question. Sur la Station spatiale internationale, quel fuseau horaire utilisez-vous? Merci. Ah. Alors, ben. La station, elle David, tourne on autour de la t'entendait Terre. pas, David. Ah, m'entendez-vous? Oui, là, ça va. La station, elle tourne autour de la Terre. Elle fait le tour en 1 heure et demie, 16 fois par jour. Donc, elle passe à travers tous les fuseaux horaires plusieurs fois dans une journée. On a décidé arbitrairement de travailler à l'heure de Londres, à GMT. Comme ça, c'est à mi-chemin entre Moscou et Houston, où il y a les deux plus grands centres de contrôle, les plus importants, qui contrôlent la station ensemble. Donc, on travaille à l'heure des Anglais. Merci. Merci David. On s'en va maintenant dans la ville de Québec avec l'école Fernand Séguin. Vas-y. Bonjour, Monsieur Saint-Georges. Bonjour. Je suis Cyril et je suis dans l'école Fernand Séguin. Je suis en quatrième année. Ma question est, comment fait-on pour savoir le jour dans l'espace? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Il n'a pas compris ta question, c'est parce que ses amis en arrière, ils parlent trop fort. Ouais, ça parle fort en arrière. Oui, attends, ils vont finir par faire un micro qui s'en vient. Un micro qui s'en vient. Merci.
Bonjour, M. Saint-Georges. Je suis à l'école Fernand Séguin. Je suis en quatrième année et je me nomme Cyril. Ma question est la suivante. Comment peut-on savoir si c'est le jour ou la nuit dans l'espace? Ah, le jour ou la nuit. Bon, alors ben. Alors, pourquoi c'est une bonne question? Oui, c'est une bonne question parce que la station tourne autour de la Terre hein, en une heure et demie. Donc, à chaque heure et demie, le soleil se lève et le soleil se couche. 16 fois par jour, on a le lever de soleil et le coucher de soleil. Donc, c'est le jour et la nuit 16 fois par jour. Comment fait-on pour savoir? Bien, on regarde par la fenêtre, c'est tout. Ça se peut que ce soit le jour dehors, ça se peut que ce soit la nuit. Mais ce n'est pas comme ça qu'on décide si on doit dormir ou non. On décide de dormir en regardant notre montre. Peu importe s'il fait clair ou noir dehors. C'est un petit peu abstrait. Hein? Ça, il paraît que c'est un peu bizarre quand on arrive à bord de la station parce que le soleil se lève à chaque heure et demie. Il faut quand même aller se coucher quand notre montre nous dit que c'est l'heure d'aller se coucher. Merci, David. On s'en va maintenant dans l'Atlantique, au Nouveau-Brunswick, avec l'école Mosaïque du Nord. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marianne. Je n'entends pas. Ça coupe. Peut-être approche-toi du micro. Bonjour. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Ariane Thériault. Puis, je vais à l'école La Mosaïque du Nord. Puis, voici ma question. Combien de fois pensez-vous que vous pourrez aller dans l'espace? Ah, je vais commencer par y aller une fois, puis en revenir. Puis si je fais un bon travail, peut-être que ma femme va me laisser partir une autre fois, je ne sais pas. Merci, David. On retourne dans l'Ouest avec l'école Pauline Johnson. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ethan. Mon question est, qu'est-ce que c'est donné ta motivation à toi d'aller en espace? Ma motivation à moi pour aller dans l'espace, il y en a quelques-unes. J'en ai trois principales. La première, peut-être, c'est toute la science, la recherche qu'on fait à bord, l'exploration. C'est quelque chose de très, très important pour moi que les êtres humains continuent à augmenter leurs connaissances et à explorer de plus en plus loin. Mais il y a d'autres raisons aussi. Il y a le fait que notre station internationale, c'est une station qui a été faite par tous les pays de la Terre. Donc, c'est un exemple quotidien de collaboration entre les peuples. Même si des fois, on voit les nouvelles puis on voit qu'il y a beaucoup de chicanes entre les pays, dans l'espace, on travaille ensemble. Et ça, je trouve que c'est un exemple très important à donner pour l'avenir. Puis troisièmement, bien, il y a le côté conscience de notre planète. Hein, ces images qu'on voit de la Terre qui flotte dans le vide, ça nous donne envie de nous occuper de la Terre. Ça nous fait nous rendre compte qu'elle est belle, qu'elle est fragile, que c'est notre seule maison dans l'univers. On est tous des astronautes sur la petite planète Terre qui flotte dans le vide et il faut bien s'occuper de notre maison. Donc, c'est ça qui me motive le plus, moi, à être dans l'espace. Merci. On s'en va maintenant au Manitoba, à l'école Roméo Dallaire. Bonjour. Je m'appelle Madeleine Denet et je suis en septième année à l'école Roméo Dallaire. Ma question est, pendant votre carrière à la NASA, quels sont vos moments les plus mémorables? Je pense que le premier jour, ça a été vraiment, je m'en souviendrai toujours, quand j'ai rencontré pour la première fois tous les gens qui étaient dans ma classe, les nouveaux astronautes. Il était 6 heures du matin, puis on était au poste de sécurité. On s'est rencontrés pour la première fois là, au poste de sécurité pour avoir notre badge. Et on a tous eu envie de se raconter nos vies. C'est comme si soudainement, j'avais plein de nouveaux frères et nouvelles sœurs. Et c'est vraiment un moment incroyable. Et puis, bien, tous ces amis, là, m'ont suivi. Et, parce que les équipages d'astronautes, un peu comme tu vois derrière moi, on est plus que des collègues, on est vraiment comme une famille. Et c'est les moments avec les gens qui sont les plus mémorables pour moi. Après ça, bien, la première fois que j'ai vu une fusée décoller, ça m'a tellement impressionné. Ça, je m'en souviendrai toujours, la première fois que j'ai eu la chance de voir une fusée décoller. C'était Julie Payette, dont j'ai vu le décollage. Ensuite, moment mémorable, évidemment, la première fois où j'ai pu travailler au centre de contrôle. Avec là où il y a des milliers d'ingénieurs, de scientifiques
brillants et brillantes qui réellement font tout le travail pour que les missions spatiales soient sécuritaires et remplies de succès. Donc, quand j'ai eu la chance de travailler avec ces gens-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, les voyages spatiaux. C'est pas juste les astronautes, c'est toute l'équipe incroyable qui est derrière pour accomplir ce rêve-là. Merci. On s'en va maintenant à Québec, à l'école Fernand Séguin. Excuse-moi, j'ai mal compris. Okay. Il y a beaucoup d'écho. Nous aimerions savoir quel est le test le plus difficile à réaliser pour pouvoir aller dans l'espace. L'aspect le plus difficile pour pouvoir aller dans l'espace? Le test le plus difficile à, que tu as eu à faire pour pouvoir aller dans l'espace. Oui, alors l'entraînement est très varié pour aller dans l'espace. Hein. Peut-être pour moi, ce qui a pris le plus d'énergie, ça a été apprendre à piloter une fusée Soyouz. C'est énormément de travail pour apprendre comment fonctionne la fusée, pour être capable de réagir à toutes sortes de problèmes techniques qu'il pourrait y avoir, s'il y a une panne de moteur, une panne de l'ordinateur, une panne des gyroscopes, s'il y a quoi que ce soit, une dépressurisation. On s'entraîne, surtout les astronautes, à répondre aux catastrophes. Et après ça, on espère que cet entraînement-là ne sert à rien, parce qu'on espère que tout va bien aller. Donc ça, c'était peut-être la partie la plus difficile. L'autre partie assez difficile, c'était apprendre à utiliser le bras canadien, Canada Arm 2. Ça, c'est une partie d'entraînement que tout le monde fait au Canada. Tous les astronautes, tous les cosmonautes du monde entier viennent au Canada pour apprendre à utiliser Canada Arm, le robot canadien avec qui on a fabriqué la station. Donc ça aussi, ça, c'est comme un gros exercice abstrait, là, mental, de visualisation en trois dimensions. Donc ça, ça a été beaucoup de travail afin de se sentir à l'aise, être sûr qu'on ne va rien briser, parce que c'est surtout ça, la peur des astronautes, c'est de casser quelque chose. Merci. On se dirige maintenant à l'école Mosaïque du Nord. Bonjour. Bonjour, je m'appelle... Viens plus près un peu du micro. Bonjour, je m'appelle Claudia, à l'école de Montagne. Ma question est, à quoi ressemble une de vos journées dans la peau d'un astronaute? Alors, la journée d'un astronaute dans l'espace, tu veux dire? Oui, alors la journée d'un astronaute dans l'espace, ça ressemble un peu à la journée de quelqu'un sur Terre. En fait, on essaie de rendre ça le plus semblable possible à la vie sur Terre pour qu'on soit le plus fonctionnel possible. Donc, on dort 7-8 heures. On se réveille, on fait l'exercice, on déjeune, on brosse les dents, on se lave un peu, on se rase, les gosses là, ils se rasent. Après ça, on a une conférence avec le centre de contrôle où on explique ce qu'on va faire dans la journée. Après ça, la journée, on a un horaire et on fait ça, on essaie de faire ça un peu dans le meilleur ordre qu'on peut, toutes nos choses à faire. Ça peut être soit réparer quelque chose qui est brisé, faire de l'entretien, faire du ménage ou faire des expériences scientifiques. À peu près, la moitié de notre temps, on le passe à faire des expériences scientifiques à bord de la station. Peut-être qu'il peut y avoir à utiliser le bras canadien. Peut-être qu'il pourrait y avoir à mettre le scaphandre pour aller à l'extérieur, faire une réparation. Donc, ça, c'est l'activité typique là, à bord. Après ça, avec le peu de temps libre qu'on a, la plupart des gens le passent à regarder par la fenêtre, regarder notre belle planète Terre et appeler leur famille et peut-être faire comme on se fait en ce moment, faire une conférence vidéo avec des élèves à travers le Canada. J'espère pouvoir partager mon expérience comme ça le plus souvent possible. Salut! Merci. On s'en va maintenant à l'école acadienne de Truro. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, bon, ben,
Mon nom est Mathieu. Comment faites-vous pour manger? Pour manger. C'est ça? Comment pour manger? Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est une bonne question. On n'a pas de frigidaire à bord. Et puis, donc, on ne peut pas manger des aliments frais. La nourriture qu'on mange à bord, c'est un peu comme la nourriture de camping. C'est la nourriture déshydratée. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, la nourriture déshydratée. C'est comme, tu peux imaginer n'importe quelle nourriture, tu enlèves l'eau, c'est très, très sec. Ça peut se garder pendant des années, comme ça, dans une boîte. Lorsqu'on veut manger, on rajoute de l'eau chaude. On laisse peut-être 15 minutes pour que l'eau soit absorbée. Et ça redevient un mets délicieux qu'on peut déguster. Alors, on mange comme ça de la nourriture, si on veut, de camping. C'est très, très bon, très varié. Il n'y a pas de... Allô, êtes-vous là? J'ai perdu le... Oui, on t'a perdu, mais c'est correct. C'est correct, oui, parfait. Donc, c'est ça. On mange... c'est pas la nourriture normale, mais c'est une pas mal bonne imitation de la nourriture normale. Allô, allô? De temps en temps, on reçoit des aliments frais. Lorsqu'il y a un cargo qui arrive, un vaisseau cargo qui arrive de la Terre, ils mettent des oranges, ils mettent des fruits, ils mettent des choses fraîches comme ça. Ça nous dure quelques jours. Et c'est un petit clin d'œil de la vie sur Terre. Merci. On retourne maintenant à Vancouver avec l'école Pauline Johnson. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver des êtres vivants quelque part dans l'univers à l'avenir et pourquoi? Ah ah! L'univers, c'est un très, très grand endroit. Alors, moi, je suis juste pour des raisons de chance. Je pense que c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Juste parce qu'il y a tellement de planètes, il y a tellement de galaxies avec tellement d'étoiles et tellement de planètes, des milliards de milliards. C'est pas quelque chose, j'ai pas de preuves, mais moi, je suis convaincu qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Maintenant, est-ce qu'un jour, on va les rencontrer? Est-ce qu'on va les croiser? Ça, c'est moins sûr, parce que l'univers est vraiment grand. Mais quelle aventure ce serait, hein, si on rencontrait des êtres vivants de notre univers. Ce serait vraiment extraordinaire. Merci. Maintenant, c'est au tour de l'école Roméo Dallaire. Vas-y. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Iba et je suis en 8e année à l'école Roméo Dallaire. Ma question est, qui ou quoi t'avait inspiré à devenir astronaute? Alors, mon inspiration, moi, ça remonte à quand j'étais tout petit. C'est quand j'ai vu des images de la Terre vue de la Lune. Hein, cette image de la Terre, la baie bleue, la Terre qui flotte dans le noir. Et quand j'ai compris que c'était ça le monde, tous les gens que je connais, tous les paysages que j'ai vus, l'univers au complet, ma vie au complet, c'était sur cette petite baie-là qui flotte dans l'espace. Et cette nouvelle vision-là, cette perspective-là, ça m'a vraiment coupé le souffle et ça m'a donné envie de tout savoir au sujet de l'univers. Ça m'a rendu très curieux au sujet de l'espace. Je ne voulais pas nécessairement devenir astronaute, je ne pensais pas que c'était possible, mais ça m'a motivé à devenir un aventurier, un explorateur, un chercheur, un scientifique pour pouvoir continuer à comprendre de plus en plus le monde autour de moi. Et puis un jour, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de devenir astronaute, d'appliquer pour le recrutement. Et c'est comme si j'avais entendu la voix d'un petit garçon dans ma tête qui me disait « Oh, David, il faut que tu essayes, il faut absolument que tu essayes. » Et puis ça a marché et maintenant je me retrouve... à quelques mois de ma première mission spatiale, mais c'est quelque chose qui m'a toujours motivé toute ma vie. Ça n'a jamais été, je dirais, j'ai pas fait des choix de carrière en fonction de ça. Hein. L'important, quand on a un rêve, c'est que ça nous guide. C'est pas grave si on n'arrive pas à notre rêve. L'important, ce qui est magique d'un rêve, c'est que ça nous fait avancer. Et en avançant, on se développe et quelque chose arrive. Peut-être qu'on bifurque, peut-être qu'on ne se rendra jamais à notre rêve, mais on va arriver ailleurs. Par contre, si on ne bouge pas, si on n'a pas de rêve, on ne bouge pas. Si on ne bouge pas, c'est plate. C'est mieux d'avoir un rêve. Alors, je m'encourage à trouver votre rêve.
Merci, David. On va maintenant retourner dans les maritimes avec l'école acadienne de Truro. Question est, as-tu fait des études à l'université? Oui, j'ai fait des études universitaires, moi. J'étais ingénieur, comme mon père et mon grand-père. Après, j'ai travaillé comme ingénieur quelques années. Après, je suis retourné à l'université pour étudier la physique, les étoiles, l'astrophysique, donc. Et j'ai travaillé comme astronome quelques années. Puis après, je suis retourné encore à l'université, puis je suis devenu médecin. J'ai travaillé comme médecin de famille dans le Grand Nord du Québec. Et c'est ça que je faisais quand j'ai été recruté pour devenir astronome. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, l'école, fait que dès que j'avais une chance, j'y retournais. Merci. École Fernand Séguin, c'est à vous. Salut. Bonjour, monsieur Saint-Jacques. Mon nom est Elliot et je viens de l'école Fernand Séguin à Québec. Je suis en 6e année du primaire. Donc, ma question est la suivante. Quand un astronaute est malade, comment faites-vous pour ne pas contaminer les autres astronautes? Ah oui, question très importante. Alors, d'abord, premièrement, on essaie de minimiser les risques que ça arrive. Hein? C'est pour ça que les équipages sont en quarantaine avant le décollage. Ça veut dire quoi en quarantaine? Ça veut dire qu'on est juste entre nous pendant 2 semaines, pas de contact avec des gens pour éviter d'amener des virus ou des bactéries à bord de la station. Donc, c'est quand même un endroit où il n'y a pas beaucoup d'infections. Mais quelqu'un peut être, ça se peut quand même qu'il y ait une bactérie qui arrive avec un vaisseau cargo, par exemple. Eh bien, si ça arrive, on va simplement s'en occuper de notre collègue. Hein? On a des antibiotiques s'il faut. Et puis, on va le traiter comme on traiterait n'importe qui sur Terre avec une infection. On se lave les mains pour éviter, éviter d'être contaminé. Mais il n'y a rien de particulier, rien qui est spécial à l'espace pour ça. On essaie simplement d'être très, très, très prudent avec notre santé en général. Les astronautes, on essaie d'être en bonne santé, en bonne forme, mais aussi on est très prudent pour éviter les blessures parce que... Ça cause des problèmes qui sont trop difficiles à résoudre pour nous. Donc, c'est paradoxal parce que ce qu'on fait est assez dangereux, mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la sécurité, la prévention des accidents. Merci, David. Nous avons le temps pour une dernière question, donc on s'en va à la Mosaïque du Nord. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ariane. J'entends pas Ariane. Avant de partir dans l'espace, avez-vous des attentes de ce qui va se passer? Ah, si j'ai des attentes de ce qui va se passer? L'astronaute. Ben. Ouais. Ça a coupé pendant ta question. Peux-tu répéter? Avez-vous des attentes avant d'aller dans l'espace? De l'Internet? Des attentes de ce qui va se passer. Des attentes de ce qui va se passer, oui. Bien, j'ai eu la chance de voir plusieurs décollages. J'ai eu la chance d'être un peu l'assistant d'astronaute quand elle est en avant de moi. Donc, j'ai vu tout le processus plusieurs fois. Je n'ai jamais vécu moi-même. Mais oui, j'ai une bonne idée de ce qui mène au décollage. Après ça, une fois arrivé à bord, je l'ai vu un peu comme toi peut-être dans des vidéos, là, ou dans des films, mais moi, je ne l'ai jamais vécu. Donc ça va être à découvrir. Bon, il nous reste un petit peu de temps, environ 5 minutes. Donc, on pourrait retourner à l'école acadienne de Truro. Allô, oui, j'entends. Qu'est-ce que ton régime d'entraînement pour se rendre à la force?
Répète ta question, s'il te plaît, il y avait du bruit de fond. Quel est ton régime d'entraînement pour se rendre à l'espace? L'entraînement pour aller dans l'espace, c'est plusieurs années, l'entraînement pour aller dans l'espace. D'abord, il faut apprendre comment fonctionne la station spatiale. Il faut apprendre comment fonctionne le bras acrobatique canadien. Il faut apprendre comment fonctionne le scaphandre. Il faut apprendre comment fonctionne la fusée Soyouz qui nous mène à bord. Il faut apprendre à parler russe, parce que c'est les deux langues officielles à bord, c'est le russe et l'anglais. Et puis, il faut apprendre un peu d'astrophysique, il faut apprendre un peu de médecine d'urgence. Ça prend plusieurs années. Donc, c'est difficile à décrire en détail. Chaque journée est un peu différente. Mais c'est comme, il peut imaginer, c'est comme aller retourner à l'université tout en faisant un cours de pilotage, tout en étant un peu dans un régime d'entraînement pour les Olympiques. Donc, on est très, très occupé, c'est très, très varié. C'est peut-être ça qui est le plus intéressant pour moi du travail, c'est à quel point c'est varié, à quel point ça fait appel à toutes les sphères un peu là, de nos talents. Et une autre chose qu'on a fait aussi, bien, c'est qu'on fait beaucoup de conférences, comme je fais en ce moment. Donc ça, il faut apprendre à faire ça. Hein. On se pratique, on a plein de conseils. Ça aussi, ça fait partie de l'entraînement, comment être un bon communicateur pour partager notre expérience avec le plus de gens possible. Merci beaucoup, David. Et beaucoup de voyages. Et je dois dire, beaucoup de voyages. Hein. Tout ça, ça se fait entre le Texas, le Japon, l'Allemagne, la Russie et le Canada. Donc, on passe beaucoup de temps dans les pays étrangers. Merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de répondre. C'est ce qui conclut la conférence d'aujourd'hui. On veut remercier tous les élèves de partout au Canada qui ont pris le temps de préparer ces questions-là et qui nous ont fourni des questions qui étaient très, très, très intéressantes. En terminant, nous vous encourageons tous les élèves qui ont participé à suivre la mission de David sur le site web de l'Agence spatiale canadienne et sur les médias sociaux pour être au courant de tout ce qu'il va faire. Et un gros merci à David qui a été avec nous aujourd'hui. Bye bye. Merci tout le monde. Merci David.